Là, nous avons une usine Martine, usine glace Martine, dans des ruisseaux. Côté que l'usine, ça, vendredi passé, il y a un incident qui passait là-dedans. Il y a environ 20 personnes qui sont victimes. Et côté que y a une explosion qui est faite dans l'usine, ça. Et je dis à magistrat communal là, il est débarqué dans l'usine pour faire vérification. Et qui est état l'usine? Pas oublier ou. Sous Tripota et la Caille, on va suivre tout événement qui a passé dans le département. Aujourd'hui, nous avons débarqué dans l'usine. Et qui s'est motivé à venir dans l'usine? Aujourd'hui, nous faisons une délégation proposée de la mairie, conseil juridique et mairie, et commerce, juge de paix. Parce que nous avons un incident qui a produit jeudi, côté tout le monde dans la zone, dans l'espace, à cause du haut de la dégagé là. Il y a environ 20 personnes qui étaient à coucher sur le cabane de l'hôpital Sainte-Thérèse, à l'oxygène. Et que l'autre monde s'est arrivé ou pas arrivé à l'hôpital là. Étant que responsable, nous-mêmes nous avons décidé aujourd'hui pour nous venir garder dans l'usine qui ça qui produit l'incident qui est arrivé. Et en même temps, nous venons garder là, nous allons chercher des gens qui ont une expertise là, côté nous allons faire des recommandations pour nous demander de nous obliger à gagner un superviseur au moins chaque mois pour venir superviser ça. Mais si nous jouons le monde, parce que nous ne pouvons pas comprendre qui est l'expertise, c'est ça que nous devons avec Mario, mais Dieu soit, et pour Mario, excusez, avec Chambre Commerce, ministère Commerce, ministère Commerce, mais Dieu soit loué, le monde qui a la plus grosse responsabilité dans le dossier, c'est la santé. Mais sous le jour même, le ministère Santé, tu as envoyé le responsable épidémiologique pour venir garder ça qui est là, et faire des recommandations. Mais nous-mêmes dans la mairie, nous avons cherché à joindre des gens, nous ne connaissons pas si c'est un monde qui fait chimie industrielle. Le technicien qui était capable de venir superviser ça pour nous et puis pour nous garder combien de temps nous sommes capables. Et pour nous garantir tout, est-ce que l'usine est capable de là, ça ne peut reproduire encore pour ne pas nuire à santé population. C'est vrai, l'usine est utile là, elle a un travail, mais nous connaissons la vie plus importante parce que tout bagaille. S'il est capable de l'arrêter là, mais s'il n'est pas capable de n'a pas obligé de retirer parce que c'est devant nous, nous sommes des responsables de l'usine qui dit comme ça. Parce que je me dis moi-même, ce n'est pas la première fois que ça a produit ça. Je dis, il y a des capables plus graves. Mais des fois, moi-même, quand on a fait travail là, quand on a fait assainissement, quand on prend sorte là, je dis, c'est là le sorti. Nous ne pouvons pas vivre dans des conditions comme ça. Si c'est là pour l'usine, n'a pas de place là encore, vous mettez l'autre côté. Ou du moins, si c'est problème là pour résoudre, l'usine n'est capable toujours être là, n'a pas fait. C'est peut-être ça encore. Je dis, à nous, là. Mais comment est ta condition? Bon, si nous avons gardé bien, bon, nous n'avons pas de expertise là, nous n'avons pas tout dans le temps, mais nous sommes capables de garder là. C'est pas mal qui filme très propre. Eh bien, nous bien dit oui. Nous, après le chercher de expertise qui peut venir là pour nous, pour garder avec nous, au moins capables de faire une supervision chaque mois, pour comment nous capables de résoudre le problème là. Et si toutefois, les gens qui ont expertise à venir garder le livre, ça pas qu'à résoudre. Si c'est ça pour nous tirer là, nous retirer parce que la vie est plus importante. Quel est le monde qui est victime? Qui ça va prendre? Bon, les gens qui sont victimes, il y a plusieurs parce que il y a environ 20 personnes qui sont couchés sous le cabane de l'hôpital après oxygène. Et 20 personnes, c'est les gens qui sont arrivés à l'hôpital qui n'ont pas de arrivé. Moi, je conseille, moi, je demande à gens parce que des fois, les gens ont tendance à mettre toute charge là sur la mairie ou sur l'autre institution. C'est pour te plaindre. Parce que l'organe ou institution, ou bien yon bureau, par contre, ça qui va poto la cap, yon cap dérange, qui a causé mort, c'est pour te plaindre. Même le la mairie a fait ça pour le faire, santé a fait ça pour le faire, commerce a fait ça pour le faire, même moun yon tout gen de voix pour le pote plainte. Conseil juridique, nous, vous êtes débattu avec la mairie, ministère de commerce, et ça, expliquez ça, permettre que ça soit là. Bon, d'abord, il faut que nous disions que l'État est là pour garantir. La vie, c'est les biens des citoyens. Et ça, c'est une obligation constitutionnelle que l'État gagne pour que lui rassure la vie dans la cité, environnement lui propice pour que les gens soient capables de vivre de manière qui est agréable. Et même Jean-Magistrat Soldino là, vendredi aux environs de midi, c'est gagné explosion qui fait au niveau espace là et côté que moun pas capable de respirer même au niveau tribunal là qui là et dans tout environnement et si nous t'a jeté ton coup autour de environnement là n'après même pied bois yo nous perdit feuille yo
ça qui t'a résisté fait yon vin paraît toujours nous. Donc nous même dans la mairie de Miragouane, accompagné les représentants de la direction départementale des NIP, du ministère de commerce et de l'industrie, qui ont même tout yon gen yon responsabilité dans la question, hein, et de concert avec le tribunal de paix, la mairie t'a décidé pour que yon, eh bien, porter aussi les lieux afin que yon vérifie l'état espace là pour yon capable de garder à fond qui cause ouais exposition ça qui à la base. Et comme de fait nous garder espace là juge de peut constater nous finalement ouais que les bagages va en bon état, mais puisque nous autres pour la probité intellectuelle nous obligés faire appel avec un expert dans le domaine de chimie industrielle ou bien un expert qui gagne expertise pour vérifier question gaz ou bien ensemble de osmose ou du moins l'autre matériel, l'autre substance que l'usine a utilisé pour nous garder un. Est-ce que ensemble de traitements qui fait dans l'espace là, de l'eau, yo portable, est-ce qu'il y a un état pour nous vrai? Parce que après exposition ça là tout, la mairie doit garder de concert avec l'autre instance concernée yo. Est-ce que de l'eau qui a préparé dans l'espace là, yo en état pour nous vrai? Deux, est-ce que espace ça là, entreprise ça là, est-ce que la mairie et de Miragouane ne va pas mettre en question autorisation de fonctionnement, parce que vous regardez ça, oui. Autorisation de fonctionnement et entreprise qui là, il est capable de mettre en question. Parce que puisque l'État là pour garantir la vie et les biens, et bien si une entreprise qui empêche les gens de fonctionner, qui nuit à la santé, qui nuit généralement et à l'assainissement, et bien faut-il bien que la mairie a regardé de concert avec l'autre instance qui là pour ça. Est-ce que l'entreprise là, il va prendre nuit de manière perpétuelle la vie dans la communauté? Je pense que c'est pour ça nous là. Mais si de passé, combien de monde environ qui est victime? Selon données, la mairie a gagné vis-à-vis de eh bien, l'hôpital général Sainte-Thérèse de Miragouane, tu as gagné environ une vingtaine de personnes qui eux-mêmes sont victimes de manière grave. Parce que il y a des gens qui ne peuvent pas respirer, des gens qui rentrent sang, et des gens qui ont même voulu courir, mais dit qu'ils perdent la vie. Par rapport avec l'incident, ça, ça a passé dans la machine ou dans la communauté là, qui est stable dans la zone. Mais nous autres, nous, l'agent nous dit, nous avons suivi de près et ensemble l'évolution qu'a faite au niveau usine pour que la mairie de conseil avec l'autre instance prend la décision de droit qui se pose et tout ça qui est dans l'attribution pour que au moins soit capable de garantir encore la vie qui est dans la communauté. Merci. Merci.